La fonte de la banquise est un phénomène connu depuis de nombreuses années. Face à ce changement sans précédent, les chercheurs du monde entier tentent de résoudre cette problématique. Des plus farfelus aux plus utopiques, les idées des scientifiques ne manquent pas. Parlons un peu de ces projets. Avant de commencer, c'est quoi la banquise ? Elle se forme en mer lorsque la température de l'eau atteint moins 1,8 degré. À cette température, des cristaux de glace se forment puis se rejoignent pour former une grande couche de glace. La banquise se trouve majoritairement en Arctique et en Antarctique. Mais c'est dans l'Arctique que le problème de la fonte de la banquise est le plus présent. La vidéo se concentre donc sur ce problème-là. Mais pourquoi est-ce si important de la préserver ? En plus d'être un immense espace vital pour une importante faune, cet énorme couvercle de glace joue un rôle réfléchissant sur une grande partie du rayonnement solaire au printemps et a également un rôle majeur sur l'équilibre climatique de l'hémisphère nord. Parlons déjà de son premier rôle. Pour ça, il faut comprendre ce qu'est l'effet albédo. Lorsque le rayonnement solaire arrive sur le sol de notre planète, il est en partie réfléchi. Cette réflexion, qui dépend de la couleur et de la matière de la surface concernée, est nommée albédo. La surface de la neige et de la glace étant blanche, la réflexion de la lumière du soleil est forte, et une grande partie de la chaleur est renvoyée dans l'espace. A contrario, la surface de la mer étant plus sombre, la chaleur du soleil est absorbée et n'est que très peu réfléchie, ce qui contribue à l'augmentation des températures sur la planète. Et donc, en résumé, qui dit diminution de la banquise dit diminution de la surface blanche sur Terre. La surface blanche étant diminuée, les rayonnements solaires seront beaucoup plus absorbés par notre planète, et donc le réchauffement sera d'autant plus accentué. Comme vous le voyez, il s'agit d'un réel cercle vicieux. Parlons maintenant du second rôle. Comme je vous l'ai dit précédemment, la banquise joue un rôle majeur dans l'équilibre climatique de l'hémisphère nord. La fonte de la banquise en Arctique et le réchauffement des eaux planétaires contribuent au ralentissement du Gulf Stream. Le Gulf Stream, c'est ce fameux courant sous-marin traversant l'Atlantique et qui contribue grandement à la douceur du climat en Europe. Donc si l'on résume ce deuxième point, la fonte de la banquise influence directement le refroidissement du Gulf Stream, celui-ci influençant directement le climat en Europe. Si ce fameux courant s'arrête ou s'affaiblit, nous risquerions d'avoir un climat particulièrement froid dans notre continent. Une chose à bien comprendre. On dit que la fonte de la banquise va entraîner la montée des eaux. C'est juste, mais c'est une conséquence indirecte. Contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est uniquement la fonte des glaciers et non de la banquise qui va augmenter à terme le niveau des océans. Je m'explique. Prenez un verre d'eau et ajoutez-y quelques glaçons. Notez avec un feutre le niveau de l'eau dans votre verre. Ensuite, attendez simplement que les glaçons fondent. Vous constaterez que le niveau d'eau est exactement identique. C'est la même chose au niveau des océans. Les banquises sont caractérisées là par les glaçons. Mais comme expliqué avant, la disparition de la banquise entraînera une augmentation de la chaleur sur Terre qui, elle, accélérera la fonte des glaciers sur nos continents, et donc l'augmentation du niveau des océans. Une équipe de chercheurs de l'Université d'Arizona a développé une idée surprenante. Ils proposent de construire 10 millions de machines, plus exactement des pompes fonctionnant à l'énergie éolienne pour transformer de l'eau en glace et la projeter sur la surface de la banquise où elle gèlera plus rapidement. En nombre suffisant, ces machines pourraient ajouter 1 mètre de glace à la banquise en seulement un hiver. Avec 10 millions de pompes, environ 10% de l'Arctique pourrait être recouvert, ce qui permettrait de revenir à l'état de la banquise dans lequel elle se trouvait il y a plus de 15 ans. Le problème, c'est son coût. Le projet est estimé à plus de 500 milliards de dollars. Une autre piste couramment avancée est d'injecter de l'eau de mer dans les nuages. Les cristaux de sel forment des noyaux à partir desquels des gouttes d'eau se condensent. Les nuages sont ainsi blanchis et réfléchissent davantage les rayons du soleil. L'Australie a expérimenté cette solution dans le but de protéger sa grande barrière de corail. Les points positifs qui en sont sortis sont que le coût est faible, le blanchiment est inoffensif puisqu'il s'agit de projeter du sel et que ce dernier se dissout en 2 jours dans le nuage. Le problème, c'est qu'à l'échelle locale, cela fonctionne. Mais si l'on veut de vrais résultats, il faudrait une logistique gigantesque. En plus de cela, il y a un risque de perturber les précipitations. Par exemple, des études ont montré qu'en utilisant ce procédé à grande échelle, il y aurait comme conséquence une baisse de la pluviosité en Amazonie. Et là, je vous laisse imaginer les conséquences sur la faune et la flore de cette région très sensible. Enfin, lorsque l'effet refroidissant est terminé, on risque d'assister à une hausse brutale de la température. Nous ferions face à nouveau à un cercle vicieux. Des chercheurs de Californie ont proposé l'idée de disperser sur certaines parties de l'Arctique de la poudre de silice, poudre utilisée pour fabriquer du verre. Cette poudre a la faculté de réfléchir les rayons du soleil et de rejeter la chaleur. Protégée de ces rayons, la glace pourrait alors se reconstituer. Même si après des tests, les résultats sont prometteurs, il y a de profonds doutes sur l'efficacité de cette méthode à grande échelle. Et les conséquences sur la faune sont encore floues, bien que la silice soit présente à l'état naturel. Et enfin, point important à ne pas négliger, il faudrait 50 millions de tonnes de poudre de verre chaque année pour remplir l'objectif. Ed Teller,
un des plus brillants scientifiques américains, mort en 2003, préconisait déjà d'envoyer sur orbite 50 000 miroirs réfléchissants entre le Soleil et la Terre, pour intercepter une partie du rayonnement solaire. Une idée reprise par le physicien Lowell Wood qui prévoyait de déployer un miroir géant de 2000 km de diamètre dans l'espace. Coût de l'opération, au minimum 100 milliards de dollars. Et au mieux, 2% du rayonnement solaire serait dévié. Et là, on ne parle même pas du problème de la pollution spatiale que cette idée pourrait engendrer. Comme vous pourrez le voir, les idées des scientifiques peuvent paraître folles et utopiques. Et je n'en ai présenté qu'une partie. Force est de constater qu'il est capital de sauver cette immense terre de glace afin d'éviter de fâcheuses répercussions sur la flore, la faune et la stabilité de notre climat. Mais est-ce qu'une telle intervention de l'homme pour réguler le climat serait viable à long terme? Et pourrait-on dire après coup que la problématique est réellement résolue? Ou ne devrions-nous pas chercher à régler le cœur du problème plutôt qu'à essayer d'atténuer ses conséquences? Je vous laisse donner votre avis dans l'espace commentaire. C'était Mister Curiosity, au revoir tout le monde.